Yo le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bien différente de d'habitude parce que nous sommes en mob. On n'est pas en 50, on n'est pas en scout, on n'est pas en moto, on est vraiment en mobilette. Donc je pense qu'on pourrait étendre le sujet d'une prochaine FAQ là-dessus. Que ce soit les modèles, les vitesses, ou enfin toutes vos questions qui pourraient venir. Donc voilà, c'est ça le projet secret en fait, c'est avec The Chronix qui est donc derrière moi. On a pour but de faire des vidéos en mob en plus de ce que je fais. Comme ça c'est un tout autre montage, une toute autre passion. Et donc j'espère que ce format vous plaira. Donc bien évidemment on a déjà des idées, par exemple que vous nous mettiez en commentaire ou sur les réseaux sociaux. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur mon Discord et mon Instagram. Des commentaires qui disent par exemple gauche, droite, tout droit et derrière. Et avec tous ces commentaires, donc il en faudra évidemment énormément, on pourra se faire une petite vidéo où genre on se perd en fonction de là où vous nous dites d'aller. On prendra dans l'ordre chronologique des choses et on verra où est-ce qu'on atterrira. Je pense que ça peut faire un bon format de vidéo. On a plein d'autres idées que je me garde pour le moment. Là ce qu'il faut savoir c'est que je suis en direction de chez moi, mais que à l'aller, parce que là du coup c'est le retour, eh bien j'ai filmé avec The Chronix. On était en appel, on a fait un test. Donc j'ai mis une application au pif d'enregistreur d'appel. Bon, le problème c'est qu'on capte pas trop, donc ça déconne un peu. On s'entendait une fois sur 10. On verra bien ce que ça donne. Donc je vais vous mettre quelques images de ce qui s'est passé à l'aller. Hein, par exemple, une petite caméra qui est tombée. Enfin bon, je vous en dis pas plus. Je vous mets ça, puis je vous reprends juste après. Attends, peut-être fermer la poche avant que le téléphone se barre. Attends, viens voter. Oh là. On a fait un petit stop, mais encore plus tard, malade. Je crois que c'est vraiment un salut. Ah bonjour, le chronique du coup, comme vous avez mis par vous. Imagine, le titre de la vidéo, c'est Franck, la caméra tombe, ça tourne de mal. Alors, pour prévenir les gens, on n'habite pas forcément en ville, hein, parce que... Oui, oui. Un petit peu des tracteurs, puis... Guy, ça va. Tu me parles? Je t'entends pas, hein. Tu m'entends pas? Si, mais des fois, non. Eh, moi aussi. D'accord. J'ai pété le système. Et là, tu m'entends, du coup? Je t'entends, mais des fois, ça fait... Ah, merde. Vas-y. Oh. Mec, la caméra, elle a fait une chute. Wow. Bonjour, on va arrêter avec cette caméra, on va continuer avec l'autre. Ah, ça a bien vu ça. Putain, je crois que ça tourne mal. Ah gros, ah j'ai eu peur. Ouais, du coup, vous allez plus avoir le paysage, c'est con. En fait, on s'entend bien quand on est à l'arrêt. Eh mais comment ça peut voir, dis-moi. Mais oui, la vidéo tourne vraiment mal. Franck, la vidéo ne tourne mal. Je crois que j'ai clairement entendu un cinquième de ce que tu disais. Ouais, bah même moi je dirais un dixième. Hein. Ouais, il y a une petite vache ici. Allez. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'on a trois caméras, donc dans les extraits que vous avez vu on en avait que deux. Une qui d'ailleurs filme d'une meilleure qualité que l'autre. Donc on verra comment on pourra les positionner, peut-être qu'on changera à chaque vidéo. On risque d'en mettre sur The Chronix aussi pour avoir une vision de troisième personne sur moi. On va essayer de trouver une solution pour enregistrer The Chronix. Ça c'est pas un problème, mais qu'on puisse s'entendre en même temps ça serait cool. Si c'est pas le cas, bah tant pis. Pour ce qui est des micros, alors là je sais pas du tout. Pour l'instant on essaye avec les écouteurs de basse qu'on nous offre avec les téléphones. Là j'ai vraiment pris le pire de tous. Je sais pas ce qu'ils donnent au niveau sonore, s'il est bien, je vois vraiment quoi j'essaierai de changer. En espérant qu'ils me lâchent pas du jour au lendemain bien évidemment. En tout cas si le conseil vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça fera très très plaisir. Ainsi que de lâcher un petit pouce bleu.
En plus, on va arriver au moment où il fait beau. Bon, là, c'est pas trop le cas, hein, malheureusement. Je pense que on va pouvoir faire pas mal de vidéos de ce type. Et ça, c'est plutôt pas cool. Du coup, j'espère que le nouveau format vous plaira. N'hésitez pas à me le redire en bas dans les commentaires. Ainsi que laissez un pouce bleu. Donc, en attendant, à la prochaine. Bye.